Salut à tous les Aurochs, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description, moi je vous laisse, bon visionnage. Salut à tous les Aurochs, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau concept que je vais mettre en place. C'est un jour, une tactique, et pour ça, pour cet épisode, c'est la tactique de la Rohan. Alors je vais vous expliquer, je vais vous montrer un peu tout ça, de toute façon la tactique sera dans la description, ainsi que le Twitter de l'auteur de cette tactique qui est juste sublime. Je vous présenterai tous les calendriers un peu. Alors je l'utilise depuis la création de la carrière. Là je suis en octobre 2028. Faudra que je continue 5 jours à la carrière. Je pense que je vais essayer de. Je pense que je vais essayer de passer là devant en Panthéon. Avant la sortie d'FM21, je pense que c'est large possible. Hein, passer devant Guardiola. Plus Guardiola et avec Liverpool. Avec Liverpool, je vais voir ce qu'il a gagné à peu près. Alors, événement, si on voit juste les trophées avec Liverpool, il a gagné 3 premières ligues. Voilà, ça va. Hein. En une saison, il peut gagner 2 trophées. Ouais, de toute façon, hein, la Ligue des Champions, je serai là pour l'en empêcher. Donc voilà, je vous présente un peu les joueurs que je conseille pour chaque poste. Alors, j'ai principalement que des new gen, donc je vous montrerai au pire à peu près les profils. C'est parfait, je pense. Il manque encore un petit. Il manque juste. Là, l'équipe, je pense, est quasi parfaite. Il manquerait un second. Non, vraiment. Je pense que là, l'équipe est parfaite. Faudra que je trouve des profils similaires. Peut-être un meilleur 8 qui a une bonne qualité de création de jeu. Un peu comme Kevin De Bruyne ou à la Xavi. Ou un peu complémentaire comme Xavi et Iniesta. Faudrait un milieu comme ça avec le 6 qui fait. C'est monstrueux ce 6. Donc d'abord, alors je vais vous présenter le gardien. Donc le gardien, vous prenez un gardien, ça suffit. Hein, de toute façon, un gardien. Ce que je peux conseiller le gardien. Si vous cherchez un gardien prometteur, vous prenez, je crois, c'est le gardien du Sporting. Sporting Portugal. Hop, ça charge. Alors, le Sporting Portugal. Au pire, je vais aller sur Internet si je trouve pas. C'est Emiliano, je crois. Attendez. Hop, gardien. En même temps, j'ai conseillé un peu, je vous présente après. C'est Luis Maximiano. Luis Maximiliano. Actuellement, gardien du Racing Club de Lens. C'est un gardien qui est juste monstrueux en carrière sur FM. Il a joué à Bournemouth. À Bournemouth, c'était assez. Mais je sais que quand je l'ai pris, il était bon. Alexander qui est un excellent gardien qui est au Bayern Munich. En plus au début du jeu vous pouvez l'avoir assez pour pas cher parce qu'en fait il a aucun temps de jeu au Bayern. Il a aucun match, il joue jamais au Bayern. Du coup bah tu peux l'avoir pour vraiment pas cher du tout. Et sinon le troisième gardien c'est lui vraiment mais c'est pile ou face. Moi la seule fois où je l'ai pris c'était Real, ça a été il est à Nantes actuellement. J'ai un peu boost pour que ça ait un peu, sans plus de difficulté. C'est Walker Farinez. Là, je l'ai eu libre en 2022-2023. Et depuis, il fait des saisons. C'est incroyable ces saisons. Il a été. Ça a été, je pense, l'un de nos artisans. Un artisan sur la domination. Sur la domination. Ensuite, un latéral droit. Alors, un latéral droit, il y a Yann Couto. Et pour moi, le latéral droit parfait qui rentre dans le système de jeu là. Pour moi, c'est le latéral droit parfait. Il est hyper complet. Il est. C'est le latéral droit. De toute façon, les latéraux, il vous faut des latéraux ultra complets. Au début de la carrière, j'avais petit Richard Makoutoungou. Qui joue à Lens. Et lui, c'est plus un flop. Lui, ça a été plus un flop qu'autre chose. Comme vous voyez, hein, ça a très très bien réussi du côté de chez nous. 4 grosses saisons et après il est parti à Tottenham, c'était moyen. Il est parti à au Galatasaray, c'est moyen. Et là, je pense qu'il va se relancer à Lyon pour 30 millions d'euros. Pour moi, là, c'est le remplaçant parfait. Je crois même pas que j'ai de doute. Ah, si, j'ai le petit Daniel Pereira que j'ai volé au Paris Saint-Germain. Lui, je l'ai volé pour lui. Il a pas encore joué cette saison, mais voilà, il jouera certainement cette saison. On est qu'au début de saison. Ensuite, en défense centrale, moi je vous conseille. Alors, moi j'ai un grand défenseur central, c'est. Andrea Maimon qui est très très poli, il est très très fort, il est très très grand. Il fait dans les 2 mètres. Voilà, il fait 2 mètres 2.
Et il est assez polyvalent, il est assez grand, et surtout en plus avec Tony qui est aussi lui assez polyvalent, qui est lui un peu plus petit, mais qui se complète parfaitement avec Ike Maimon. À gauche, j'ai le prodige, Matthew Bodine. Ce mec-là, c'est un crack. Il est trop fort, il est beaucoup trop fort. Ce mec est juste trop fort. Le meilleur latéral de gauche possible, c'est le latéral complet. Il est ultra complet et ultra fort. Mais ce mec-là, je l'ai depuis le début. Ça a été l'un des premiers Newgen avec un autre Newgen. Beaucoup le connaissent, c'est Jean-Pierre Alcocer. Et du coup, en 6, moi je suis allé chercher Azevedo. Le petit Marco Azevedo, je suis allé chercher à Manchester United. Il était un peu bradé à Manchester. Du coup, bah, je suis allé chercher pour 30 millions d'euros. Il était un peu bradé par le club. Et honnêtement, depuis, il est indispensable. En plus, il a fait une meilleure saison chez nous. Après, le niveau est différent. C'est plus facile de bien jouer en Ligue 1 qu'en Première Ligue parce que le niveau est beaucoup plus faible. Ensuite, El Maestro, Mohamed Mella, voilà, c'est un monstre sur le terrain. Il est beaucoup trop fort, ce mec-là est juste incroyable. Excusez-moi, moment pas du tout satisfaisant. Voilà, je vous ai épargné de ce moment pas du tout satisfaisant, c'est les mouchages de nez, ce n'est pas satisfaisant. Voilà, c'est un mec avec l'équipe de France qui m'a bien aidé, vraiment, c'était le latéral gauche, lui il est indéboulonnable, et il le sera à vie indéboulonnable, Mohamed Mella comme Mohamed Bodine, c'est les deux derniers survivants de mon équipe de base. Ensuite, il y a le petit catalan, Ilex Moriba aussi, il a signé au Paris Saint-Germain, il a... ouais, Ilex Moriba. Lui aussi là, si je l'ai pris, je l'ai pris après qu'il ait signé au Paris Saint-Germain. Alors c'était un bug, j'en avais besoin. Et du coup après je l'ai signé. Il est très fort, Ilex Moriba est très très fort. C'est un très bon joueur que je conseille vraiment. Et maintenant nous allons passer à Nick Bast. Nick Bast lui aussi, buteur que je suis allé chercher au Schalke 04. Voilà, je l'ai pris pour 8 millions d'euros, vraiment pas cher. Et au final t'as un buteur assez complet, qui est assez rapide, qui a une très bonne finition. Il a une finition de 14, peut-être juste un peu à travailler sa finition, mais après ce sera vraiment un très très bon neuf. Il est impressionnant, c'est un monstre sur le terrain. Ensuite, bon, on a Smirnov. Smirnov est un new gen que j'ai créé. C'est un miracle, on a pu nous aider. C'était un peu, je crois, cette année où on a perdu en plus la Champions League. C'était notre deuxième participation, on avait perdu en quart contre le Real Madrid, vu de John Stones. Voilà, Stones, en plus je le hais ce mec, donc il marque et il me fait encore plus haïr. Voilà, ça a été un très très bon, c'est un très très bon joueur. Bon, je peux pas vous le conseiller, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, on a Lucas Manuel. Lucas Manuel est un joueur, alors je crois que c'est le joueur le plus cher du club, on ira vérifier ça après. Alors, vraiment là, c'est un peu la présentation où je présente un peu les joueurs, mais voilà. C'est un joueur formé au Corinthians. Il est à la Juve. Puis il voulait un plus grand club. Moi, du coup, je suis allé toquer à la porte de la Juve. Et j'ai dit que je voulais Lucas Manuel. Un pari qui est passé. Ensuite, sur le banc, c'est juste de la profondeur. Tu prends des joueurs un peu avec des profils similaires. Et en gardien, Jerry Bling, j'ai juste pris une petite doublure. C'est rare qu'un gardien se blesse. Maintenant, alors, je vous présente un peu. Je vous montre un peu le calendrier. C'est la 8e ou 9e saison. Je sais pas. Donc, tu vois, ça j'étais pas au club, je suis arrivé là. Donc là, jusque-là, c'est que des victoires. Que des victoires. Les amicaux, c'est très bien passé. Que ça soit même les matchs en National 2 sont très bien passés. Juste les matchs contre Belfort, on avait fait un parcours, mais sublime. Et là, 10-0. Et après, là, c'est le. Là, c'est le moment assez cool. J'espère juste le micro est de bonne qualité. Hein, parce que voilà. Faut que j'ai pas de casque, du coup, bah, j'ai des écouteurs intra-auriculaires. Et du coup, on est là. En plus, j'avais mis 5-0 à match, j'étais refait. Et après, bah, après c'est des petits scores. Voilà, pour seule défaite, je crois, seule défaite de la saison en championnat. Ah non, deux défaites de la saison en championnat, c'était dommage. C'était un contre le Sainte-Geneviève Sport. Et la deuxième défaite, c'était contre l'US Lusitanos Saint-Maur.
Et après, bon, en finale de Coupe de France, on allait faire un triplé Coupe de Corse, Coupe de France et National 2. Mais c'est bien, au moins on a fait une bonne saison. On s'arrête en finale qui nous époche de toutes nos dettes. Au moins, ça c'était bien. Ensuite, bon, ensuite, c'était cool. On a fait nos débuts en national. Alors, début assez compliqué. Je me suis dit, est-ce qu'on va se maintenir en championnat? Est-ce que, en fait, on va se. Est-ce qu'on va faire, on va jouer le maintien en national ou est-ce qu'on va directement jouer la montée? Je sais pas. Ensuite contre Bouillonne, c'est assez large. Et ensuite on joue contre Lyon-Duchère 1-1. Et ensuite après c'est la victoire. La première défaite, la deuxième défaite de la saison, c'était contre Chambly. Alors Chambly c'est un match assez particulier parce qu'on n'a rien fait pendant 64 minutes. On s'est réveillé à la 72e, c'était trop tard. C'est dommage. Hein. C'est dommage qu'on n'a pas pu aller chercher. Plus après ensuite c'est parti tout seul. Ah oui, alors ce match-là me fera rire à vie parce qu'en fait je crois c'est c'est l'année où je me suis dit bon Nicolas Jim, merci pour tout, au revoir. Hein. Je me suis dit ça. Alors on mène grâce à un but de Patrick Etchimi qui était le GOAT la saison dernière, en plus il a enchaîné but sur but. Voilà, on est parti de rien, on a une bonne équipe, et ensuite je prends un CSC à 2-1. Et ensuite je prends le but. De Pélican. Le jour où je me suis pris le but de Pélican, je crois qu'il était vers les 1h30, 2h du mat. Je me suis tapé une barre, je ne sais même pas moi pourquoi je me suis tapé une barre. Ensuite, on a joué Créteil. Ça s'est passé, Lyon-Duchère. Le match contre Toulon était assez serré. On mène 2-0. Il y a 2-1. 3-2. Non, il y a 3-1. 4-1. 4-2. 4-3. Alors, je vous dis à 4-3, j'ai sué. Ensuite, après, c'est passé tout seul. Peut-être juste contre Pau, j'ai un peu galéré, je crois qu'il y a eu un but de. Ah oui. Ouais, on a fini le match à 10. On était mené à 0 en plus, on a fini le match à 10. Contre Rouen, le petit 4-4 des familles. Vraiment, c'était un match où j'ai un peu ragé, mais bon. Ça, je crois que ça nous avait juste un peu retardé notre remontée. Et ensuite, c'est passé tout seul. On s'était vengé en plus contre. On en avait mis entamé les matchs et voilà. Voilà, c'était bien, c'était vraiment bien. Ensuite, on passe sur la première saison en. Non, c'est sa saison. En Ligue 2, on retourne enfin dans le professionnel. Et j'avais une équipe de malades. Je sais que j'avais eu Cuisance. J'avais réussi à choper Cuisance. J'avais vraiment une équipe de porc. J'avais Djougouiri. J'avais Louiri et j'avais Prarot. Vraiment, ces mecs-là, en fait, c'était les gouttes. En fait, ils n'étaient pas réguliers. En Ligue 2, première saison en Ligue 1, ils étaient hyper réguliers. Et ensuite, après, ils sont devenus un peu moins réguliers. Ils sont passés sur le banc, je les ai vendus. Voilà. On joue contre Chelsea, victoire 2-0. J'étais même moi choqué. Hein. J'ai simulé ces matchs. Premier match contre Lens, victoire 3-0. Ensuite, Grenoble 3-2, 3-0, 3-0, 4-0. Alors, c'était encore, je vois encore sur un PC alors, qui était aussi rapide que Mertesacker. Donc, pour vous dire la vitesse de l'ordinateur. Maintenant, je suis sur un PC qui va assez vite. La défaite de la saison contre Guingamp et ensuite bon, ensuite c'était victoire sur victoire et une victoire en Coupe de France contre l'OM, première victoire en Coupe de France qui nous donne accès à l'Europa League dont une victoire en moi le 12-1 en vrai Metz actuellement bon je les ai une fois que j'ai vu qu'ils descendaient je me suis dit j'aime pas Metz hein, pour ceux qui savent pas je suis supporter de la Lorraine du coup en fait j'aurais mis une grosse pénalité on va voir si ça va remonter. Et ensuite, victoire contre 3 et contre Lens. Voilà. Et ensuite, on passe sur notre première saison en Ligue 1. Je vous montrerai après le classement de la Ligue 1. Hein. On fera ça après. Un peu pour voir comment j'étais large quand j'ai gagné les trophées. Hein. Juste pour voir. Là, c'était encore l'année où le Paris Saint-Germain en fait était meilleur que nous. On perd au pénalty en plus. C'était dommage parce qu'on avait fait un bon match et tout. Premier match de la saison, mais 7-1 à Nice. Bon, après la tactique est cheatée aussi. La tactique, je pense qu'honnêtement, c'est la meilleure tactique d'FM avec l'Aegis Endgame que je vous présenterai une autre fois. Ah, lui, Guillaume aussi, lui, je l'ai vendu. Je l'ai vendu, maintenant il joue à Manchester City. C'est un des meilleurs joueurs au monde. Voilà, c'est un très très bon 6. Vraiment, je pense maintenant il aurait pu être un top 6. Voilà, ensuite on perd 1-0, mais ensuite on met des 5, 1, 3, 1. 5-1, on a mis 4-0 à Tottenham, on avait perdu 1-0, alors vraiment, contre le Paris Saint-Germain, la défaite 4-2 faisait mal, contre Anderlecht, victoire 3-0, ensuite c'est passé tout seul, parce qu'après il y avait la Coupe du Monde en fait, il y avait la Coupe du Monde qu'on a faite avec l'équipe de France, j'ai faite avec l'équipe de France, que j'avais remporté, après je vous montre un peu mon palmarès, ensuite on a joué avec le PSV Eindhoven, Feyenoord, ensuite on a fait les petits matchs amicaux, et ensuite après c'est parti tout seul. Alors c'est assez particulier l'Europa League parce que du coup il y a l'Eurocup 2 qui est apparu.
L'Europa League, du coup, c'était un format assez particulier, mais c'était assez cool. Il y avait Lyon, du coup, après, ensuite, on a. Bon, ensuite, c'était les matchs allés à partir des quarts. Où j'ai. En fait, on faisait souvent le taf à l'aller. Comme ça, au retour, en fait, t'étais tranquille. Je pouvais tranquillement simuler. Sauf exception. Parce que comme à la Real Sociedad, j'aurais mis 7-0 chez moi. Je me dis, on va pas se casser le cul à jouer le retour. On a fait un 1. C'était un but de Goretzka, vraiment, on était large. Ensuite, on joue Angers, dédicace à l'Euro 49, je pense qu'il va regarder cette vidéo, où j'ai mis 4, où Angers avait réussi à faire l'exploit d'aller en finale. Alors Moussa Suso, bon, c'est un petit buteur qu'on m'a conseillé, c'est un petit buteur du Racing Club Strasbourg. Et ensuite, là, ensuite, c'était assez tranquille jusqu'à la première défaite de la saison. Mais après, à ce stade-là, je m'en foutais parce qu'au final, je voulais faire la saison invaincue, mais je n'ai pas réussi. Et victoire contre Nice 7-3, et victoire en Europa League contre la Roma 2-0. Et ensuite, on passe sur notre première saison en UEFA Champions League, et c'est parti. Donc là, tranquille, on met 2-1. Alors, on met 2-1 au PSG sur un doublé Guiri. On gagne 2-1 en Super Coupe d'Europe. Après, on s'est fait égaliser à la 93e par Luis Suarez. Derrière, il y a Mohamed Mella. 2 minutes après, ben. Ouais, 2 minutes après, parce qu'au final, je sais pas combien de temps il y a eu, je m'en souviens plus, hein, c'est date de juillet. Lyon, il y a eu 0-0, Monaco, Paris, Lille. Bon, après, voilà, après, ça va tranquille. On n'était pas timide du tout pour notre première participation en Ligue des Champions. Justement, je trouvais qu'on était assez agressif. C'est ce qu'il faut faire. Benfica. Alors Benfica, j'aime pas du tout jouer contre eux. J'aime bien en plus Benfica, je suis pote avec un supporter de Benfica. Mais j'aime pas du tout les jouer parce que c'est horrible à les jouer tout simplement. On avait fini, je sais plus combien de champs, de toute façon on regardera ça après. Et aussi, le but c'est jusqu'à la sortie de FIFA 20, de FM21, on fasse cette série une fois par semaine. Justement, je vais créer un salon sur mon serveur Discord. Voilà, justement, je vais créer un salon. Excusez-moi. Je vais créer un salon où vous pourrez mettre vos tactiques que je puisse tester. Les fêtes contre Paris Saint-Germain en février. Un défaite 5-2 en Ligue des Champions en 8e. Alors je me dis, ouais, tranquille, c'est la fin. On va en 8e, c'est cool. Et ensuite, on joue le retour. On leur met 8-2. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'était pas assez, mais je leur ai mis 8-2. Ensuite, on a joué le Real. Bon, le Real, on les a battus 1-0 chez moi. À Bernabéu, j'aurais mis 4-0. Paris, on leur met 3-1. Et ensuite, en finale, on joue le Barça. On leur met 2-1. Et ensuite, bon, après, c'était tranquille. Après, bon, après, je vous énonce plus. Vous regardez le score. De toute façon, ceux qui m'ont suivi sur Discord, vous le savez. Que je mettais souvent dans les gros scores. Ah, ensuite, il y a eu la Coupe du Monde des clubs qu'on a remporté. On a mis un 7-1 au Paris Saint-Germain. On a mis un 4-0 à Chelsea. On a mis un 2-0 au Barça. Le Barça, on les a beaucoup joués. C'était un peu notre rival. Et ensuite, en Ligue des Champions, on perd contre l'Inter. C'était assez compliqué. Au début, on avait un début assez mitigé en Ligue des Champions. Puis après, on s'est réveillé. On a joué en 8e. On a rejoué Manchester United. On a à nouveau joué Manchester, on a sorti le Barça, on a sorti Dortmund, on a battu Manchester City en finale. Ah mais en fait je vous ai pas montré cette année-là, c'est en plus là où on perd en Ligue des Champions. C'est là où on perd. On a joué Manchester City en 8e. Si mes souvenirs sont bons, on a joué Manchester City en 8e. On leur a mis genre 9 ans au cumul. J'ai perdu 1-0 au Bernabéu sur un but de Paulo Dybala. Et j'ai gagné 2-1. Et en plus, but de John Stones. Voilà. Et ensuite. Bon, ensuite, après, c'est que des victoires en Ligue des Champions. On se revanche. On fait une saison invaincue en plus. Il y a eu un petit nul quelque part en Ligue 1. Contre Bordeaux, le petit nul 0-0. J'étais à une putain de victoire de un putain, ça s'est joué à nul. Et ensuite en 2027-2028, la dernière saison que j'ai faite actuellement, on a un nouveau jeu Manchester United. J'ai perdu 3-0, j'ai gagné 5-0 chez moi.
Et ensuite, j'ai gagné la finale de Ligue des Champions contre Liverpool de Pep Guardiola. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être un prochain vidéo, je vous montrerai un petit gameplay comment ça joue. Si vous voulez, si vous... Alors, pour présenter les compos, pour ça, n'hésitez pas à aller dans les... Allez sur mon serveur Discord. Le lien est dans la description ou en haut à droite, je verrai. Non, normalement, c'est dans la description parce que je suis pas partenaire YouTube. Donc, ce sera dans la description en bas à droite. En bas à droite, il y a le lien de mon serveur Discord. Il y aura un salon qui sera ouvert déjà un jour avant que la vidéo sorte. Et pour ça, je vous donne mon objectif de... Allez, je vous donne pas d'objectif. Moi, j'aime pas donner des objectifs. Mais je veux que vous bombardez cette barre de likes et surtout que vous me suggérez une autre compo assez simple. Et voilà, je remercie encore à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous mettrai le lien du Twitter dans, de toute façon dans la description du créateur de la compo. Je le remercie. Et sur ce, c'était Xerox. Prenez soin de vous et bye tout le monde.